aurait pu déboucher sur quelque chose. Ils remettent ça d'ailleurs maintenant. Joli sursaut de la part de l'équipe locale. Tchabalala qui s'arrache pour servir Mpella. Hey, le but! Oh là là, jolie accélération. On le sentait depuis quelques minutes, depuis quelques secondes en tout cas. L'équipe sud-africaine avait retrouvé un second souffle là, avait réussi à reprendre un peu le ballon, à mettre hors de position l'adversaire. Et à la 73e minute, elle réussit par Mpella à marquer le 1-0. Un but qui doit aussi beaucoup au débordement sur le côté gauche, à la volonté vraiment de Tchabalala qui a réussi à servir son partenaire. La suite n'était pas simple non plus. Et changement gagnant véritablement là pour l'entraîneur Santana. On va voir ici le centre contre le du genou hein, quand même. C'est pas si évident que cela. Et donc l'Espagne qui encaisse un but, j'ai envie de dire un nouveau but, sans marquer elle-même, parce qu'elle a déjà concédé deux goals face aux États-Unis sans inscrire.